ça qu'on dialogue? Est-ce que c'est comme ça qu'on résout les conflits? Je suis désolé, c'est pas comme ça. Ce patrimoine, il est aussi bien à nous qu'à vous, c'est à tout Congolais. C'est pas ainsi qu'on va résoudre la crise. Il suffit tout simplement de s'asseoir et de faire. Sachez qu'il y a des générations futures qui vont arriver par la suite. Et c'est ça que je vais leur laisser, c'est comme ça que je vais leur montrer qu'on peut résoudre les conflits qu'actuellement. Non, je suis désolé, il y a des manières démocratiques de pouvoir résoudre les choses et c'est pas comme ça. Il y a les élections pour pouvoir s'exprimer, c'est à ce moment-là qu'on pourra résoudre les différents conflits, mais pas comme ça. Dans ce qu'on change politique à Mourate, je vais changer politique à la France ici. Je vais pas rabinoter, ok? Je vais mettre la bazar, je vais pas rabinoter, je vais pas rabinoter, je vais pas rabinoter, je vais pas rabinoter, ok? Ok, à suivre. On est ici, regarde.
Bon. Monsieur l'ambassadeur, mais nous avions trouvé dans les propos de monsieur l'ambassadeur que ce n'était pas, il n'était pas coopératif. Alors on lui a dit, nous allons transmettre à la population, aux gens qui sont à l'extérieur, ce que vous venez de dire. Et nous lui avons même averti qu'il se peut qu'il y ait des casse puisque personne ne peut accepter ça. Alors nous avions transmis aux manifestants et c'est comme ça que tous les manifestants n'étaient pas d'accord. Donc il y a eu une petite casse. D'où la venue de toute la police, de CRS, pour pouvoir nous évacuer. Voilà. Et nous sommes là pour la journée commémorative de l'assassinat de M. Mwamba Bakoua, qui est journaliste indépendant, qui usait de son droit d'expression libre, si on peut le dire. Bon, notre pays jusqu'à présent, nous attendons qu'il y ait la vraie expression. Et on ne peut pas accepter que pendant la transition, on commence déjà à tuer les gens. Si on tue les journalistes et l'homme de la rue, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur Pierre, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, monsieur, on n'est pas d'accord. D'où les Congolais de France, représentés par les collectifs, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Nous devons faire tout pour que ces régimes-là puissent changer. On n'est pas d'accord. Alors, mais que pensez-vous justement de l'existence ou de la continuité des gouverneurs, des ambassadeurs pour l'instant? Parce que les ambassadeurs, jusqu'à présent, continuent leur mandat en dépit du fait que le 30 juin est passé. Apparemment, ils sont toujours en poste. Oui, ça, c'est un point d'interrogation. Les ambassadeurs sont là, ce sont des hommes comme nous. Ils attendent que leur maître qu'ils avaient nommé puisse les appeler. Mais s'ils sont là, bah, nous constatons. Puisque la preuve, nous sommes venus pour qu'on puisse dialoguer. Pourquoi on a tué les journalistes? Pourquoi on tue le 11, vous savez tous, le 11 juillet, on a tué les gens chez nous qui manifestaient pacifiquement. Alors tout ça, chaque Congolais doit prendre sa responsabilité et dire non, 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 plus jamais ça. Et je vous dis aussi les revendications des gens qui ont accompagné, qui nous ont accompagnés ici à l'ambassade. Ils disent que ce qui se passe chez nous, ils ne sont pas d'accord. On n'est pas d'accord d'un étranger qui veut nous gouverner, d'un étranger qu'on est en train de nous obliger à prendre, dont M. Joseph Kanambe Kabila Hippolyte. Tous les Congolais de France ne sont pas d'accord, ne sont pas d'accord. C'est pas un Congolais, il n'est pas un Congolais? Ah, il n'est pas Congolais, tous les preuves sont là. Mais je suis quoi, on ne comprend pas, les SIAT, la Monique et toute la communauté étrangère continuent à appuyer un individu qui est... presque 100% de la population congolaise rejette. Ça, nous ne pouvons pas comprendre ça. Ils doivent prendre les responsabilités. Voilà. Merci, M. Mukwege. Allez, ok. Tant que Congolais, Nazaro Sempelate. Déjà, un, il faut respecter nos humains. Comment ça, 6 millions de morts? Et en plus, yo commettre vie sur la paix. Mais regarde la paix, c'est qu'ils arrivent. 6 millions de morts. Et Naba journaliste et des presse pour ne même pas passer à la lecture. Alors, tu ressens sortir un ennemi. Toujours. Attends. Où tu n'as pas si temps colonial, tout ça raison à toujours. Mais non. Tout le monde a tout changé. C'est pas bien ce qu'on fait. Parce que bien au bino bozo kufreza bien y a peuple n'y a surtout. Il faut tous là, ils sont surtout unis. Mais tant que yo ce qu'on a dit nos Congolais, nous les Congolais qui sont ici, on n'est pas contents. Donc essaie un peu de changer la manière comment tu te comportes. C'est pas gentil. Donc pour nous, il faut qu'on garde le pouvoir. Mais non, jamais. La manière qu'elle peut changer, tant qu'elle sait bien, il sait bien qu'il n'est pas Congolais. Il n'a qu'à partir à côté. Laissez les Congolais prendre leurs responsabilités. Merci beaucoup, c'est bien.
Laisse-le faire le travail. Avec ce que vous êtes en train de faire. Je filme pas les voitures, s'il vous plaît. Je filme l'enclos. Même si les voitures, je filme l'enclos. Hein? Je filme la parcelle tout entière. Tonton. Seulement votre travail à vous. Hein? Regarde, vous filmez l'ambassade, c'est tout. Hein? Moi, je filme pas pour autre chose. Je filme l'ambassade du Congo. Vous pouvez seulement filmer à l'extérieur, s'il vous plaît, monsieur. Parce qu'on ne vous a pas accordé au droit de cette image, monsieur. Donc, vous n'êtes pas sûr d'être Quelle chaîne vous travaillez, monsieur, s'il vous plaît? Quelle Afrique TV. Afrique TV. Afrique TV. On va maintenir les gens à l'intérieur d'ici. Pas de problème. Pas de problème. Allez, on va faire un petit dire pour que les gens qui viendront les prendre à l'université après. Je veux le conseiller, premier conseiller d'ambassade. Il arrive. Viens à mon contact. Avec une pièce d'identité diplomatique. Viens à mon contact. Petit problème d'être en retard. Pardon ? Vous êtes en retard. Les gens qui font les dégâts sont tous partis. Comment ? Vous êtes en retard. Yaros, on s'en est venu, Banane. T'as là. Le mot là-bas. Vous autres n'avez pas de question. Non, enfin, je ne sais pas à elle à poser la question. Posons la question. Là, on va constater des plans. Nous sommes à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de faire un tournage après la visite de certains compatriotes congolais qui sont passés. La délégation qui, malheureusement, n'a pas été reçue par l'ambassadeur. Nous pensons que ces images vont vous plaire, mais éventuellement c'est malheureux que nous soyons arrivés là. Et nous sommes évidemment obligés d'arrêter de prendre quelques images pour que tous les restes de la communauté congolaise essaient d'observer et de voir les images. Donc pour l'instant, comme vous le remarquez, nous sommes donc à l'intérieur de l'ambassade, comme vous constatez les dégâts, malheureusement. Et voilà. Et donc les dégâts, comme vous le constatez, donc nous sommes en train de vous montrer les dégâts, comme tout ce qui a été fait. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs dégâts dans l'ambassade et voilà. Quelques destructions, quelques portes détruites, comme vous le constatez. Okay.
Voilà, donc c'est malheureux que nous puissions en arriver là. Et là, nous avons les images, comme vous le constatez. Il n'était pas question qu'on en arrive là, mais voilà. On vous demande gentiment. Oui, okay. Monsieur, cette personne. Moi j'ai filmé, je fais mon travail. On vous demande de sortir. D'accord. Pourquoi vous faites ça, messieurs? On vous demande de sortir. Mais je fais mon travail. C'est l'ambassade. Mais je suis congolais aussi. Je suis congolais aussi. Les accords congolais. Je suis chez moi. Donc vous obéissez au. Donc je fais le travail, je suis congolais. Voilà. Je suis congolais en même temps, je fais le travail. Mais si je suis congolais en même temps, je fais le travail. Je suis congolais, vous le voyez, je suis congolais en même temps, je fais le travail. C'est pas le problème, l'ambassade nous demande. Il y a un ambassadeur. Mais oui, bien sûr, je fais le travail, mais si c'est moi, c'est des archives, on dit, pour tout, pour tout. C'est pas ça, voilà. Monsieur. S'il n'y a pas la presse, on peut rien faire. Il travaille ici ou pas? Bon, il doit sortir. Monsieur a dit que vous deviez sortir. Il va passer numéro 1 à la BIM. Bon, alors vous sortez. Vous sortez. C'est OK. Puisque c'est dit, c'est bon. C'est bon. Vous passez numéro 2 à la BIM. Non, non, non. C'est dit, là, c'est total. Total. Bien on dévoyant qui hein. Mais on s'est vu qu'on va avoir un reportage, la ville nota, on fait des reportages, moi n'importe quoi. Non, mais vous filmerez dehors, monsieur, c'est pas grave. Yves. Il y a le droit de nous interdire de filmer. Personne. Jamais. Et ça, c'est où ça? On peut même s'interdire de filmer. Bien sûr. Hein? On n'est pas au Congo là aussi 5 millions de morts. Là, on est sur place dans le pays de démocratie. On peut faire des potes. Là-bas, on a tué 5 millions de morts. Mais vous empêchez les hein? On vous a pas empêché. Vous donc, faites votre travail, vous faites votre travail. Ça, c'est vrai. Follow. Non, non, ne vous en faites pas, nous, on descend. Allez-y, faire votre boulot. On est responsable, nous, on est bon. Allez-y, faire votre boulot, ne vous en faites pas. On n'avait même pas besoin de s'accompagner. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Ah bon?